c'est moi, Camille Misa, je viens d'être promue des arts décoratifs de Paris. Et à l'origine, c'est un projet qui est entre la République française et justement mon école. Merci beaucoup. Madame la ministre, bonjour, c'est un honneur de vous voir. Permettez-moi de vous remettre ce papier. Juste, je vous le remets. Tenez. Parce que ce n'est pas interdit par la loi, madame. Ça vous gêne de voir que votre ambassadrice de France est corrompue, qu'elle a un compte offshore non déclaré ? Pardon ? Madame la ministre, excusez-moi, avec tout le respect que je vous dois, c'est un citoyen qui vous parle. Vous ne me filmez pas. Voilà, la ministre ne veut pas s'exprimer, elle part. Là, c'est la poudre d'escampettre et la poudre à perlimpinpin. C'est dommage, je lui ai donné le dossier, madame la ministre. Oui, oui, c'est ça la Macronie. Ben, madame, vous m'avez accordé 30 secondes, on sait parler de vive voix. Dites à la caméra ce que vous m'avez dit. Je m'appelle Léo Nicolian, madame le ministre. Super, vous protégez une criminelle. Par votre silence, vous êtes complice. Oh, c'est bon ça, oh, c'est bon ça. Eh, monsieur. Pardon ? Circulez. Sûrement pas. Mais pour quel motif ? Reprendre... Bah, reprenez. Et puis vous avez fait tomber votre bâton ? Oui, un bâton par terre, ça ne me gêne pas, je vais le ramasser. Par contre, un drapeau par terre, jamais, monsieur. Plutôt mourir. Est-ce que vous avez fait tomber votre. Je vais le ramasser, vous inquiétez pas, je ne quitterai pas les lieux. Je viens de sortir du commissariat du 7e, c'est pas pour rentrer chez moi. Bonjour. Finalement, on va vous demander vos papiers, s'il vous plaît. Évidemment, contrôle d'identité. C'est vous qui nous... Tenez. Merci. Léo Nicolian, reporter indépendant, fiché S comme perturbateur politique. Vous êtes reporter pour quel journal, monsieur ? Indépendant, je viens de le dire. Voilà, et je suis en train d'aller alerter toute notre classe politique, que j'estime criminellement corrompue, sur justement le cas de la corruption de l'ambassadrice de France en Arménie, Anne Louyot, qui a un compte offshore non déclaré, évasion fiscale de 5 millions d'euros. Voilà, et j'en ai parlé tout à l'heure à la ministre. Votre collègue est tout de suite intervenu pour la protéger, alors que je lui voulais aucun mal. Il n'y a pas de notion de mal ou pas, monsieur, on a simplement fait notre travail. Je vous fais de votre travail, vous avez raison de le faire. Voilà, connu comme le loup blanc à l'Assemblée nationale, comme d'habitude. Il y en a qui vont à la pêche aux moules. Moi, je vais à la pêche aux députés le mardi pour les alerter.